Pour beaucoup d'entre nous, l'économie et l'environnement ne font pas bon ménage, voire sont incompatibles. Pourtant, le fabricant d'enveloppes Pocheco a orienté son développement dans ce sens. Il applique depuis quelques années un concept appelé l'écolonomie. On s'est rendu compte qu'en fait, en étant plus écologique, on faisait des économies. D'où est né le concept de Corinne Lepage, les écolonomies, c'est-à-dire faire des économies en réduisant votre impact sur l'environnement. C'est de cette manière que Pocheco a réaménagé son site de manière écologique. Leur toiture abrite un écosystème, ce qui permet sa végétalisation et la rend ainsi plus pérenne. Elle propose ainsi une alternative à la climatisation. Un système d'air adiabatique aère naturellement l'atelier, la toiture stocke aussi l'eau de pluie et une bambouseraie a été installée pour traiter les eaux souillées par phytorémédiation. Enfin, 300 m² de panneaux photovoltaïques recouvrent les locaux de Pocheco. Même par temps de pluie, ces panneaux produisent parce qu'ils sont amorphes. Il y a une partie qui va réagir à la luminosité du site, attention pour la ruche, donc ils vont réagir à la luminosité de l'éclairage, il y a une partie qui va réagir avec les rayons directs. Donc quand le ciel va être bleu ou bien dégagé, on va avoir une plus grosse production, mais par un temps couvert comme maintenant, on va avoir une production continue mais moindre. On produit même sous la pluie alors. Ou on produit même sous la pluie. Pocheco essaie d'agir sur tout le cycle de vie d'une enveloppe. Un verger conservatoire va être mis en place et le toit de l'usine fait déjà office de nichoir à oiseaux. Le blanchiment du papier récupéré se fait sans utilisation du chrome. De plus, l'association Pocheco Reforestation a pour mission de restructurer durablement le territoire du Nord-Pas-de-Calais. Toutes ces installations ont été bénéfiques à Pocheco puisque l'entreprise s'est développée de manière considérable. Tout l'argent qu'on gagne est réinvesti intégralement dans l'entreprise. Donc dès qu'on agit, c'est pour réduire la pénibilité et ou la dangerosité des postes, pour réduire notre impact sur l'environnement et pour augmenter notre productivité de manière à toujours être compétitif. Globalement, 60% du marché français dans cette spécialité, là où il y a 15 ans, on faisait 900 millions d'enveloppes, on en fait près de 2 milliards cette année. Donc en 15 ans, on a plus que doublé avec cette politique. Donc ça montre bien que le changement est possible.